d'un pays autre que la Côte d'Ivoire, que tu es dans la salle, comme nous visiteurs. Si on ne te connaît pas, tu ne viens pas. Si tu es un visiteur que je connais très bien, tu viens. If you are from a country which is other than Côte d'Ivoire and you are in the hall, if I don't, I know you well, you come. Pourquoi vous acclamez aussi? Attendez d'abord. Merci, merci, merci. Thank you, thank you. C'est une équipe que vous voyez devant vous. It's a team that you see before you. Et cette équipe a un chef. And that team has a head. Que je veux présenter et lui il va faire le reste. And that I'm going to present to you and he will do the rest. C'est le docteur Andossé Victor. It's Dr. Andossé Victor. Avec des signes de victoire. Vous comprenez maintenant pourquoi je suis très détendu. You have now understood why I am really relaxed. Il est l'enseignant de ce soir. He is the teacher. Avec des cris de victoire. C'est le responsable de notre œuvre, des œuvres de miséricorde, de notre œuvre dans le monde. He's the responsible of the work of mercy of our work all over the world. Et à ce niveau, il faut que lui-même achève la présentation. At this level, he himself will complete the presentation. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Comme le pasteur Meunier a dit, je suis le docteur Victor Andossé. As Pastor Meunier said, I am Dr. Victor Andossé. Je suis médecin de santé publique. I am a doctor of public health. Spécialisé en épidémiologie et biostatistique. Specialized in epidemiology and biostatistics. Je suis le chef de département des œuvres de miséricorde dans notre ministère. Je suis également l'un des pasteurs dans l'église à Yaoundé, au Cameroun. Et dans l'église à Yaoundé, je suis le président du comité de mariage. Donc, vous pouvez imaginer quelle était ma joie de voir toute la population qu'on a présentée ici. Gloire à Dieu. Nous sommes là dans le cadre d'une visite de la Hope Clinique d'Abidjan. Et je suis avec ma couvrière qui va se présenter également. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Lydia Ntala et je suis médecin gériatre de formation et j'ai également des qualifications dans le domaine de la cardiogériatrie et de l'oncogériatrie. En fait, la cardiogériatrie, c'est une spécialité qui prend en charge des pathologies cardiaques chez la personne âgée. Et l'oncogériatrie, c'est les pathologies oncologiques chez la personne âgée. Et je vais commencer ce mois-ci
un diplôme en échographie cardiaque. Je suis une des dirigeantes de l'œuvre basée en France et mon époux et moi, nous sommes engagés dans la conquête de Paris. Paris a 20 arrondissements, nous résidons dans l'un des 20 arrondissements et le but est de pouvoir conquérir le premier jusqu'au 20e arrondissement de Paris. Bien évidemment, par la grâce de Dieu, avec les couvriers que le Seigneur nous a donnés jusqu'à présent et ceux qu'il nous donnera. Par ailleurs, je suis membre de FESIDET depuis 2014 et l'un des aspects que je porte depuis quelques années, c'est le bien-être de la personne âgée. Et l'une des actions qui va commencer à être menée, particulièrement ici en Côte d'Ivoire, c'est de pouvoir implémenter ce qui a déjà été fait, en l'occurrence à Koumé, également ici en Côte d'Ivoire et un peu partout ailleurs où nous avons des cliniques. Gloire à Dieu, je pense que c'est à peu près tout. Maintenant, pose les mains sur ta tête, dis Seigneur, parle-moi. Merci Seigneur, que ta voix soit entendue dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce soir, j'aimerais que nous nous entretenions sur un sujet qui est très important dans notre ministère et qui fait partie des caractéristiques de notre ministère. Dans la communauté missionnaire chrétienne, nous avons un certain nombre de caractéristiques qui nous différencient et qui nous qui ne nous font pas être différents des croyants, mais qui nous sont propres, qui nous caractérisent. Je ne sais pas si vous les connaissez. Mais dans la communauté missionnaire chrétienne, nous prenons la Bible comme notre référence. Et c'est ce que la Bible dit que nous pratiquons. Si tu me montres là où ça se trouve dans la Bible, ça met fin à toute discussion. Je me soumets et je fais la volonté de Dieu. Nous avons le Seigneur Jésus comme notre modèle. Devant une situation, je me pose la question: qu'est-ce que Jésus-Christ aurait fait s'il était à ma place? Et ça résout tout problème. Si je connais la position de Jésus, ça met fin à toute discussion. Je dois faire comme Jésus aurait fait s'il était à ma place. Et s'il était placé dans les conditions dans lesquelles je me trouve en ce moment-là. Et nous avons le Saint-Esprit comme la puissance avec laquelle nous travaillons. Nous agissons, nous faisons des choses, nous servons Dieu dans la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas la constitution d'un état quelconque qui constitue notre puissance. Ce n'est pas ce que nos ancêtres ont pratiqué qui constitue notre puissance. Nous ne sommes pas blindés par une autre puissance, autre que la puissance du Saint-Esprit. Ça fait trois. La quatrième caractéristique dans notre ministère, c'est que nous valorisons les relations. Gloire à Dieu. Des relations verticales, l'amour envers Dieu, la communion avec Dieu, et des relations horizontales, l'amour pour les frères, pour les croyants, pour les autres enfants de Dieu.
et la communion fraternelle. C'est quelque chose qui nous distingue et qui nous caractérise. Et il y a aussi un autre amour horizontal qui est l'amour pour le pécheur. Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous ayons le maximum de pécheurs qui entrent dans le royaume de Dieu. Pas en tant que pécheurs, mais en tant que des gens que le Seigneur Jésus-Christ a sauvés du péché. Gloire à Dieu. Une cinquième caractéristique, c'est-à-dire que dans notre ministère, nous connaissons la puissance du tout d'un homme. Gloire à Dieu. Notre Père fondateur, c'est quelqu'un qui s'est sacrifié. Il a donné tout. Il s'est consacré totalement à Dieu. Dans tous les aspects, son argent, sa personne, ses enfants, sa famille, sa carrière, son travail, ses talents, ses dons. Il a tout investi dans l'œuvre. Il a tout investi dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Mais ce soir, nous sommes en train de voir ce qui concerne la relation, les relations, la valeur que nous attachons aux relations. Et j'ai intitulé l'enseignement de ce soir « Le corps de Christ et la communion dans le corps du Christ ». Ce n'est pas un enseignement qui m'est propre. Ce n'est pas quelque chose que moi-même j'ai inventé. J'ai tiré les quelques points que je vais partager avec vous du livre du frère Zach intitulé « Faire du progrès spirituel ». C'est le volume 3. Donc, tout ce que je vais partager avec vous, si vous lisez ce livre, vous allez le découvrir là-dedans. Gloire à Dieu. La vie chrétienne est une vie qui est menée en communauté, en famille. Dieu déteste l'individualisme. Déjà à la création, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 28, et que j'aimerais que quelqu'un lise à haute voix, bien haut et clair. Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Donc écoutez, faisons l'homme. Il y a combien de gens qui parlent? Est-ce que quand tu parles seul, tu dis faisons? Est-ce que quelqu'un qui parle seul dit faisons? Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes. C'est la Trinité divine qui était en conseil. Dieu était en famille. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Faisons l'homme à notre image. Et pour que vous ne compreniez pas image comme l'aspect physique, il dit à notre ressemblance. Pour qu'il n'y ait pas de confusion. Parce que la Bible nous dit que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu n'a pas un corps, mais il peut prendre un corps quand il veut. Et la preuve,
c'est que quand Jésus-Christ est venu sur la terre, c'était Dieu dans le corps d'un être humain. Gloire à Dieu. Donc Dieu nous a créés à sa ressemblance parce que nous avons un esprit. Et l'une des fonctions de notre esprit, c'est la communion. Une autre fonction, c'est l'intuition. C'est-à-dire que Dieu nous a donné la capacité de connaître des choses qui ne sont pratiquement pas logiques, qui ne dépendent pas d'une connaissance tirée d'une autre personne ou bien dans des livres ou bien dans notre environnement. Dieu peut te faire connaître l'état de quelqu'un, l'état d'esprit de quelqu'un, sans avoir une toute petite idée de la personne. C'est l'intuition. Et l'une des fonctions, c'est la conscience. Nous pouvons savoir que nous avons péché contre Dieu et nous nous sentons coupables parce que nous avons une conscience sur laquelle Dieu agit pour avoir les empreintes de Dieu dans notre esprit. Donc nous avons un esprit avec des fonctions qui sont claires. Nous avons aussi une âme dont les fonctions sont la volonté, les pensées et les émotions, les sentiments. Nous ressemblons à Dieu parce que nous pouvons aimer comme Dieu aime. Nous pouvons pleurer, nous pouvons avoir la tristesse. Nous pouvons décider de faire quelque chose. Nous pouvons créer. Nous pouvons inventer. Nous pouvons faire des choses. Nous ressemblons à Dieu, notre Créateur, dans ce sens. Donc, l'homme est fondamentalement un esprit comme Dieu et qui vit dans un corps et qui a une âme. Gloire à Dieu. Donc, le corps que nous voyons est constitué des muscles, des vaisseaux sanguins, et la chair. Mais ce n'est pas ce qui est important à Dieu. C'est notre esprit qui est important à Dieu. Et dans ce monde, Jésus-Christ a un corps. Son corps s'appelle l'Église. L'Église est le corps de Jésus-Christ. Et j'aimerais partager quelques caractéristiques concernant le corps de Christ. Premièrement, comment est-ce qu'on devient membre du corps de Jésus-Christ? C'est l'œuvre de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tout commence avec Dieu qui révèle qui est Jésus-Christ au pécheur. Quand Dieu a révélé qui est Jésus à un pécheur et la personne a reçu la révélation, la personne donne sa vie à Jésus. La personne croit au Seigneur Jésus. La personne accepte Jésus comme son sauveur et son Seigneur et lui rend une obéissance. Mais dès que quelqu'un a accepté Jésus comme son sauveur et Seigneur, Dieu présente la personne à Jésus et Jésus l'intègre dans sa personne. Tu deviens un avec Christ. Il y a une union avec Christ qui est totale et parfaite et complète. Au point où la Bible nous situe même comme étant assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est une union avec Christ totale. Après cela, le Saint-Esprit fait le travail de te baptiser dans le corps de Christ. Tu deviens membre du corps de Christ par un baptême du Saint-Esprit. Voilà comment nous devenons membres du corps de Christ. La deuxième chose que j'aimerais partager concernant le corps, c'est au niveau des relations que nous avons dans le corps. Pour que le corps de Christ, que nous appelons l'Église, fonctionne normalement, chaque membre du corps doit avoir une relation avec Dieu. Une relation personnelle.
personnelle avec Dieu, de la communion avec Dieu. Et chaque membre doit avoir une relation avec les autres membres du corps de Christ. Et cette relation n'est pas juste une relation légale. Qu'est-ce qu'on appelle une relation légale? C'est une relation basée uniquement sur la position que j'ai en Christ. Par exemple, la Bible dit que j'ai été inclus en Jésus-Christ. C'est légal. Ou bien, j'appartiens à une famille, j'ai des sœurs et des frères. C'est légal. Ou bien nous sommes mariés et nous avons un acte de mariage. C'est légal. Mais la relation que nous avons avec Dieu va au-delà d'une relation légale. Et notre relation avec les frères va au-delà d'une relation légale. Donc, en plus de ma position que j'ai en Christ, je dois entrer dans une expérience où j'expérimente Dieu. Dieu me parle, je le connais. Et je sais ce qu'il veut et ses attentes et je réponds. Et à ce niveau, pour illustrer ce que c'est qu'une relation légale, le frère Zach partage une expérience qu'il avait souvent vécue. Dans l'église, il avait l'habitude, ou bien de temps en temps, il posait aux gens les questions. Qui est seul? Qui vit dans la solitude? Qui n'a pas d'amis? Tu n'as personne qui t'aime? Et certaines personnes se levaient. Et parmi les gens qui se levaient, il y avait des gens mariés, des hommes mariés, des femmes mariées. Tu es marié, tu as un partenaire, mais tu es seul dans l'église. Tu vis dans la solitude. Donc, il y a une relation légale, il y a un acte qui atteste que vous êtes en relation. Si tu meurs même, la personne qui succède, s'ils ont signé la communauté de biens, les biens communs, la personne va hériter des biens. Mais tu es seul dans l'église. Il y en avait des gens comme ça. Et je ne sais pas s'il y a des gens comme ça ici. Tu es avec les gens. Tu es un frère qui fait partie de l'église. Mais tu es seul. Tu vis dans la solitude. Tu n'as pas d'amis. Tu n'as personne avec qui tu es transparent. Et quand tu es superficiel avec l'homme, ça reflète la relation que tu auras avec Dieu. Si tu n'as personne, tu n'as aucun ami en qui tu peux te confier, quelqu'un à qui tu fais confiance, ta relation avec Dieu sera également superficielle. J'étais... quand on a organisé un camp des jeunes à Yaoundé, nous avons parlé de l'amour et des différents langages d'amour. Et après cet exposé, j'ai posé la question aux jeunes qui étaient là. Qui parmi nous ici a l'impression que personne ne le comprend? Tu parles ton langage d'amour, personne ne te comprend. Les autres parlent, tu ne les comprends pas. Et tu vis dans la solitude, je vous assure. Beaucoup de gens s'étaient levés. Que dans l'église, ils sont seuls. Et les quelques jours qui ont suivi ce camp, j'ai eu à conseiller plusieurs qui sont venus dire en quoi ils se sentaient seuls dans l'église. Mais je vous assure, si vous faites cet exercice, il y a des gens qui ne sont engagés à rien. Et quand d'autres personnes sont en train de se réjouir, ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe avec ceux-ci? Pourquoi est-ce que je ne ressens pas la même chose?
parce qu'il y a un problème au niveau de la communion. Donc chacun de nous a une relation, la communion avec Dieu. Et cette communion est fonction de qui tu es et ton attitude vis-à-vis du péché et ta profondeur et même la révélation que tu as reçue de Dieu. Cette communion est aussi profonde que ton engagement à renoncer au péché, ton engagement à passer du temps avec Dieu, ton engagement à recevoir la révélation de Dieu dans la lecture biblique, dans la prière, et tu développes. Si tu développes ta relation avec Dieu, tu vas croître dans ta relation avec Dieu et dans la communion. La troisième chose que j'aimerais dire concernant le corps de Christ, c'est que c'est le témoignage du Saint-Esprit. Le témoignage du Saint-Esprit. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage avec mon esprit que je suis enfant de Dieu. Il y a une connaissance intuitive, comme on a décrit tout à l'heure, un témoignage intérieur. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise que je suis enfant de Dieu. Le Saint-Esprit lui-même rend témoignage avec mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et de la même façon, c'est le Saint-Esprit qui nous rend témoignage qu'un autre frère ou bien une autre sœur avec qui nous sommes en communion est aussi enfant de Dieu. Il y a une conviction personnelle à l'intérieur que je suis au bon endroit. Je suis avec les bonnes personnes. Je suis avec d'autres personnes qui aiment Dieu. Il y a des gens qui cherchent, ils partent dans plusieurs communautés, plusieurs églises, et puis à un certain moment, s'ils ont cru réellement, à un certain moment, ils trouvent la paix. Ils viennent dans un endroit, dans une communauté, dans une église, et le Saint-Esprit leur rend témoignage que voici le bon endroit. Voici les gens qui m'aiment. C'est un témoignage intérieur par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rend témoignage de qui nous sommes. Et ce témoignage ne dépend pas de ce que je fais. Que je le sente ou pas, le témoignage est là-dedans. Si je me sens enfant de Dieu, le témoignage est là. Si je ne me sens pas enfant de Dieu, le témoignage est là. Si j'ai failli, j'ai fait des erreurs, j'ai commis même un péché, c'est le Saint-Esprit lui-même qui va me convaincre. Comme on a dit tout à l'heure, il y a la fonction de notre conscience. Le Saint-Esprit va me convaincre de péché et je vais me repentir. Et l'assurance que j'ai en moi d'être enfant de Dieu ne va pas me quitter. Gloire à Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des privilégiés de Dieu. Et rassure-toi que tu as ce témoignage à l'intérieur de toi. Je ne sais pas si tu le sais que tu es réellement enfant de Dieu. Ou bien tu es juste parmi les gens et tu te réjouis avec les autres. Les autres ont la puissance du Saint-Esprit. Toi, tu n'as pas. Tu es quoi? Tu es enfant de Dieu ou pas? Donc nous avons ce témoignage intérieur. La quatrième chose, c'est que Dieu a fait en sorte que les membres dépendent les uns des autres. Dans le corps de Christ, il n'y a pas d'indépendance. Il n'y a pas d'indépendance. Il y a une interdépendance.
Il y a des gens qui pensent que nous savons que les bébés sont totalement dépendants. Et il y a des gens qui pensent que la maturité signifie qu'on devient totalement indépendant. C'est faux. Une personne qui est mûre devant Dieu devient interdépendant. Tu dépends des autres. Et le Seigneur a fait l'Église, le corps de Christ, pour que nous soyons interdépendants. Personne ne doit être indépendant. Parce que l'indépendance, c'est ce qui a créé Satan. C'est parce qu'il voulait son indépendance qu'il est devenu le diable. Mais c'était un ange de lumière. C'était un ange qui servait Dieu. Il était dans la présence immédiate de Dieu. Mais quand l'indépendance, quand l'orgueil est entré dans son cœur, il est devenu le diable. Avec tout ce que nous connaissons sur lui aujourd'hui. Donc, pour illustrer la dépendance que les membres ont les uns sur les autres, le frère Zach, dans le livre, prend l'exemple de Saul de Tarse. Dans Actes chapitre 9, versets 5 à 6. Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Amen. Amen. Entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Est-ce que Dieu était incapable de lui dire ce qu'il doit faire? Mais Dieu voulait apprendre à Saul dès son début, dès le début de sa vie chrétienne, que l'indépendance est totalement bannie parmi le peuple de Dieu. On doit te dire ce que tu vas faire. Quelqu'un viendra t'imposer les mains pour te guérir. Dieu était capable de le guérir en un instant. Mais il fallait qu'une autre personne vienne lui imposer les mains. Dieu a envoyé l'un de ses serviteurs pour aller prier pour Saul. Et lui dit, « Frère Saul, le Seigneur qui t'a apparu m'a envoyé pour te donner une parole. » Et c'est ce disciple-là, Ananias, qui a dit à Saul, qui a déclaré à Saul son appel d'aller prêcher l'évangile parmi les païens et qu'il allait souffrir pour Christ. Et quand Dieu a envoyé Ananias, il avait peur. Et quand Dieu l'a rassuré, il est parti. Mais il ne s'est pas plaint en disant que, mais il était quelqu'un de fidèle. Un jeune converti qui vient, on nous connaissait, mais quelqu'un qui persécutait même l'Église. Au lieu que Dieu lui donne cette charge-là, que toi tu vas te tenir devant les rois, tu vas prononcer mon nom devant les rois. C'est lui qu'on envoie pour aller dire à un jeune converti que voici ce que le Seigneur a préparé pour toi. Et il n'a pas refusé, il ne s'est pas plaint, il n'a pas dit que Seigneur, mais tu as déjà vu et reconnu mes compétences. Pourquoi ce n'est pas moi? Pourquoi ce jeune converti? Est-ce que je ne suis utile que pour aller annoncer aux autres ce à quoi tu les appelles? Mais il a obéi, n'est-ce pas? Il est parti et il a déclaré la parole de Dieu à Saul. Et nous voyons même
dans d'autres passages, le verset 11 à 12 du même chapitre. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme, un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, dans le corps, le Seigneur nous fait comprendre que nous dépendons les uns des autres. Et qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas accomplir si nous ne prenons pas notre place dans le corps de Christ. Il y a des choses que tu ne pourras pas accomplir et que tu ne pourras pas apprendre et des révélations que tu n'auras jamais si tu ne prends pas ta place en toute humilité dans le corps. Les gens qui sont orgueilleux, les gens qui veulent rester seuls, les gens qui n'ont de compte à rendre à personne, n'ont pas de place dans le corps de Christ. Parce que dans ce corps, c'est l'humilité, c'est l'interdépendance. Le Seigneur nous montre que nous dépendons des autres. Le Seigneur nous parle à travers d'autres personnes. Le Seigneur a parlé à Paul. Saul, c'est Paul plus tard. Il devient Paul plus tard. Le Seigneur lui a parlé, lui a dit, je t'envoie quelqu'un. Et le Seigneur parle également à l'autre. Le Seigneur nous parle. Et quand nous sommes membres dans le corps de Christ, le Seigneur nous parle. S'il parle à mon frère, il va me parler également. S'il donne un ordre à mon frère pour moi, le Seigneur va me parler également. Et dans le livre, le frère Zach raconte l'histoire d'un frère qui est venu vers un autre pour dire que le Seigneur m'a envoyé vers toi pour me donner 50 000. Et l'autre frère lui répond en disant, il y a deux problèmes avec ce que tu es en train de dire. La première chose, c'est que Dieu ne m'a pas dit qu'il va envoyer vers moi quelqu'un à qui je dois donner 50 000. Et la deuxième chose, le deuxième problème, c'est que je n'ai même pas 50 000. Donc ton Dieu qui t'a parlé là, je ne le connais pas. Dieu nous parle. Si tu prends ta place dans le corps, dans l'église, Dieu va te parler. Et Dieu va nous utiliser pour faire des choses. Nous serons utiles à Dieu dans le corps. Et Dieu veut que nous soyons utiles dans son corps. L'indépendance va te rendre inutile entre les mains de Dieu. Et inutile pour les frères. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Les gens qui sont indépendants ont tendance à être orgueilleux. Ils ne connaissent pas l'humilité. Et Dieu ne peut pas les utiliser. Dieu peut les parler de temps en temps, mais ils seront totalement inutiles entre les mains de Dieu. Il faut abandonner l'indépendance.
La cinquième chose que je partage sur le corps de Christ, c'est ce que le Seigneur avait dit à Paul. Le Seigneur lui avait promis que tu vas souffrir. Tu vas souffrir pour moi. Le Seigneur lui a promis la souffrance. La Bible nous dit que si nous croyons en Jésus, nous allons souffrir. Dans les Actes des apôtres, nous voyons les apôtres dans Actes chapitre, dans Actes chapitre 5, verset 41. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Amen. Amen. Joyeux d'avoir été trouvés dignes de subir la persécution, la souffrance, les outrages. Ils étaient joyeux de souffrir pour Christ. C'est les privilégiés de Dieu qui souffrent. Si tu as peur de la souffrance et de la persécution, Dieu va t'épargner cela. Il ne va pas te donner la souffrance. Si tu as peur, Dieu ne va pas te faire souffrir. Tu auras ce que tu veux. Parce que la souffrance est réservée pour les gens qui l'aiment. Les gens qui se réjouissent. Et la souffrance approfondit la communion avec Dieu. Dieu nous donne la souffrance pour approfondir notre communion avec lui. La souffrance dans la vie chrétienne, c'est pour que nous devenions comme Jésus, davantage comme Jésus. La sixième chose que je partage sur le corps de Christ, c'est que le corps de Christ a une expression locale, sous forme d'une église locale. Donc, nous avons l'église locale. Quand Dieu a envoyé Saul, il lui a dit d'aller à Damas. Il est parti à Damas et il s'est joint à cette église locale. Nous voyons cela dans Actes chapitre 9, versets 19 à 20. Paul est devenu un membre de l'église locale à Damas. Et il évangélisait avec eux. Il servait Dieu avec eux. Est-ce qu'on peut lire? Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Il s'est identifié avec les autres croyants qui étaient à Damas. Et il a commencé à évangéliser avec eux, à prêcher que Jésus-Christ est le Seigneur. Donc, le corps de Christ a une expression locale. Et dans les 16 points que nous devons revêtir dans le message de Berthois que nous connaissons, il y a celui qui parle d'être un membre local, un membre fidèle. Être un membre fidèle dans une église locale. Et quand la Bible parle de l'église, on parle de l'église locale comme l'église, tous les enfants de Dieu qui sont dans une localité donnée. Tous les enfants de Dieu qui sont dans une localité, par exemple ici à Abidjan, tous les enfants de Dieu ici constituent l'église à Abidjan. La Bible parle aussi de l'église dans le sens des églises de maison. Et la Bible parle de l'église, dans une troisième instance, de l'église universelle, qui est constituée de tous les enfants de Dieu qui constituent le corps de Christ. Mais la Bible ne parle pas de l'église dans un pays. On ne peut pas parler de l'église en Côte d'Ivoire. C'est l'œuvre, c'est le ministère en Côte d'Ivoire. Gloire à Dieu. C'est l'œuvre. Ici, vous avez l'œuvre. Il y a plusieurs églises dans des localités. À Yamoussoukro, à Abidjan, à Bouaké. Voilà. Vous pouvez les nommer.
Et puis, il y a des églises dans des maisons des frères. C'est dans ce sens-là que la Bible parle de l'église. On ne peut pas parler de l'église en Afrique. On ne peut pas parler de l'église dans le monde. L'église universelle n'est pas l'église dans le monde. C'est constitué de tous les enfants de Dieu, où qu'ils se trouvent. Dans la Bible, quand on parle de la province de Galates, on parle des églises de Galates. Donc, parce que c'était une province avec plusieurs villes et villages, plusieurs localités, c'était des églises. Et en Apocalypse 2 et 3, on parle des églises en Asie. Donc, en Éphèse, en Thessalonique, et ainsi de suite. Donc, l'église a une expression locale à laquelle tous les enfants de Dieu, tu dois appartenir. Il faut cesser que l'indépendance s'arrête et que chacun de nous soit dans une église de maison et appartienne à l'église dans la localité. Tu prends ta place dedans et tu joues le rôle que tu dois jouer, que le Saint-Esprit, avec les talents et les dons que le Saint-Esprit t'a donnés, tu joues ton rôle pleinement dans l'église. Et que l'indépendance cesse. Va vers ton pasteur et demande-lui, qu'est-ce que je peux faire pour bâtir le royaume de Dieu, pour t'aider et pour que nous réussissions dans notre but que Dieu nous a donné. Et tu vas trouver quelque chose à faire. Si tu prêches l'évangile, tu es en train de servir Dieu. Si tu pries, tu es en train de servir Dieu. Si tu chantes dans les semeurs, tu es en train de servir Dieu. Et comme je disais aux ouvriers de la Hope Clinique, si tu pratiques les œuvres de miséricorde, tu es en train de servir Dieu. Donc, il y a la place pour chacun de nous. Il y a quelque chose à faire pour chacun de nous. La septième chose que je partage concernant le corps de Christ, c'est la manière par laquelle Dieu ajoute à ce corps. C'est Dieu qui ajoute à ce corps. Et il ajoute au corps de Christ les gens qui ont cru, les gens qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Actes chapitre 2, versets 40 à 41. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Amen. Au 47. Louons Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. 5, verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Amen. Amen. Donc, Dieu ajoute d'abord des gens à lui-même, en les sauvant, et puis, il les ajoute à l'Église. C'est Dieu lui-même qui ajoute à l'Église les gens qui ont cru. Et c'est sa décision à lui. Il ne demande pas ta permission. Et il ne demande pas la permission de qui que ce soit. Dieu ajoute au corps ceux-là qui ont cru. Nous prêchons l'évangile. Si quelqu'un croit authentiquement, Dieu connaît les gens qui lui appartiennent véritablement. Et c'est ceux-là qu'il ajoute à l'Église. Au corps de Christ. Dieu ne va pas ajouter quelqu'un qui a professé avec la bouche qu'il a accepté Jésus, mais son cœur est loin de Dieu. Parce que Dieu regarde le cœur. Dieu connaît qui est réellement croyant. Et il ajoute rien que les croyants à l'Église. Et si Dieu a ajouté quelqu'un, n'essaye pas de repousser la personne
ou bien de chasser la personne, ou bien de refuser la communion à cette personne-là. C'est impossible. Parce que c'est Dieu qui ajoute. Et dans ce processus où Dieu ajoute à l'Église, ça veut dire qu'il prend des gens qui étaient dans le système du monde, qui vivaient dans le monde, et qui aimaient le monde, et qui faisaient partie du monde. Il les sauve, il les sépare, il les appelle à lui-même, et il ajoute à Christ. Dans ce processus, il y a le royaume du diable qui perd des gens, et il y a le royaume de Dieu qui s'accroît, à qui les gens sont ajoutés. Donc, il prend les gens de leur appartenance aux ténèbres, au monde, et les ajoute dans son royaume. Et le huitième point, c'est que tous les croyants appartiennent au même corps. Dieu ajoute automatiquement tous ceux-là qui lui appartiennent. Il les ajoute automatiquement. Tu n'as pas besoin de demander, tu n'as pas besoin d'une demande d'être ajouté au corps. C'est Dieu lui-même qui ajoute. Si tu es dans le corps, et c'est sous-entendu que les gens qui ont véritablement cru se soumettent dans l'obéissance à se faire baptiser. Et par leur baptême, ils déclarent leur inclusion. Ils sont en train de témoigner qu'ils appartiennent à Jésus, qu'ils ont été inclus en Jésus et qu'ils ont l'union avec Jésus. Donc la communion existe dans le corps. La communion. Et cette communion peut être brisée, peut être détruite. Donc, il y a quelque chose concernant la communion, notre communion dans le corps. C'est que la communion peut être brisée par le péché. Si tu vis dans le péché, ça va briser ta communion avec Dieu, ça va briser ta communion avec les frères. Tu n'auras pas de joie, tu n'auras pas la paix, tu ne seras pas content, tu ne seras pas satisfait. Tu peux, et c'est dans ce sens-là que, quand on a parlé des gens qui sont seuls, qui se sentent seuls, alors qu'ils sont parmi les autres, ça peut être que tu es en train de vivre dans le péché. Et tu ne sens pas la chaleur qui vient des autres. Tu n'as confiance en personne. Tu ne t'exposes pas. Tu ne te fais pas connaître. Et tu vis dans la solitude. Le péché brise la communion entre Dieu, entre le membre du corps de Christ et Dieu, et avec les autres membres. Mais cette communion, si tu connais une communion interrompue, brisée, des relations brisées avec d'autres personnes, avec Dieu ou bien avec les autres frères, il y a quelque chose que tu peux faire. Si c'est le péché, et généralement c'est le péché qui fait en sorte que la communion soit brisée, tu dois te repentir. Si c'est tu as blessé quelqu'un, tu te repens. Si c'est ton mari ou bien ton épouse, tu te repens. Et c'est l'orgueil qui fait en sorte que la plupart des relations soient brisées. Quand tu vois les relations brisées, c'est l'orgueil qui les entretient. L'orgueil entretient des relations brisées. Mais si tu t'humilies devant Dieu, tu reconnais et tu confesses,
tu t'excuses, tu demandes pardon, la relation brisée peut être réparée. Et en ce qui concerne la communion, plus la communion avec Dieu est forte, plus la communion avec les frères est bonne, plus la relation et la communion avec Dieu sera bonne. Donc, dans cette église, votre communion avec Dieu dépend de la communion personnelle que chacun a avec Dieu et que chacun a avec les autres. Si tu veux être la pierre d'achoppement pour les frères en vivant dans le péché, c'est quelque chose qui ne va pas seulement t'affecter, mais ça va affecter tout le peuple de Dieu. Notre relation avec Dieu ne nous affecte pas seulement, ça affecte les autres croyants avec qui nous sommes en assemblée. Et c'est un appel que je suis en train de faire. Que si tu as une relation brisée avec quelqu'un, repars cette relation le plus rapidement possible. Va t'humilier devant la personne et demande pardon. L'orgueil ne nous aidera pas. Repars toute relation brisée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne parle pas avec une autre personne? Ta communion avec une autre personne est brisée. Quand vous vous voyez là, chacun regarde tout droit devant lui, vous ne vous saluez pas, vous ne vous regardez pas, et tu veux que Dieu intervienne dans ta vie pour mettre fin à cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne parle pas, qui vit dans, qui est... La communion est brisée entre lui et son frère, ou bien sa sœur, son partenaire. Lève ta main. Oui. Lève-toi si tu as une relation brisée. Dieu déteste l'indépendance. Dieu déteste l'orgueil. Dieu déteste. Est-ce qu'il y a d'autres? Nous n'avons pas le temps d'entrer dans les détails. On va vous demander avec qui vous avez une relation brisée. Mais nous allons prier. Le peuple de Dieu ici rassemblé va prier pour vous. Et c'est un engagement et c'est un devoir que nous vous donnons. C'est un engagement que vous êtes en train de prendre devant Dieu, de faire quelque chose à ce sujet. On ne va pas prier pour vous et puis vous laisser la chose comme c'était avant. Vous allez faire quelque chose aujourd'hui ou bien demain ou bien avant la fin de cette semaine pour réparer la relation. Au ciel, parce que ce que nous sommes en train de parler maintenant sur la communion, sur l'amour, sur les relations, c'est quelque chose qui va nous accompagner au ciel. Si tu ne veux pas voir ton frère, je ne sais pas si Dieu va t'admettre au ciel. Si Dieu t'admet et tu vois ce frère-là venir, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Non, ça, je ne veux pas voir ce frère-là. Je ne veux pas le voir. Je ne veux pas le voir. Qui rentre? Tu vas dire ça? Non, je ne m'entends pas avec ce frère, Seigneur. Je ne m'entends pas avec lui. Soit lui, soit moi. Et tu vas abandonner pour aller où? La seule chose, le seul endroit qui t'attend en ce moment-là sera l'enfer. Donc on a intérêt à faire la paix avec quiconque nous avons des différends. Gloire à Dieu. Donc vous, on prie pour vous et vous allez réparer, vous allez faire la restitution. Sois la première personne à aller réparer la situation.
Ne dis pas que la personne a plus tort que moi. Prends l'initiative. La Bible dit que si tu es en train de présenter ton offrande à Dieu et tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, abandonne ton offrande là-bas, va te réconcilier avec ton frère avant de revenir. Et la Bible dit encore, si c'est toi qui reconnais avoir quelque chose contre ton frère, c'est encore toi qui prends l'initiative. Donc, dans les deux sens, que ce soit ton frère qui a quelque chose contre toi, que ce soit toi qui a quelque chose contre ton frère, c'est toi qui prends l'initiative pour réparer la situation. Gloire à Dieu. Nous allons prier pour nos frères. Prions que le Seigneur les visite ce soir. Et prions que le Seigneur touche leur cœur. Et qu'il y ait une repentance profonde. Parce que ça blesse le cœur de Dieu de vivre dans l'animosité, d'avoir la haine ou bien la jalousie dans ton cœur contre ton frère. C'est quelque chose qui blesse le cœur de Dieu. C'est quelque chose qui blesse l'esprit de Dieu. Donc, prions que le Seigneur les visite et qu'il leur donne le don de la repentance et qu'à partir de ce jour, ils se sont levés et je crois que la puissance qui les a propulsés de leur place pour se lever traduit le fait que dans leur cœur, Dieu a parlé. Donc, prions qu'ils concrétisent cela en passant à l'action. Prions ensemble. Seigneur, nous te supplions pour nos frères qui se sont levés. Oh Dieu. Et nous prions. Amen. Asseyez-vous. Si vous avez des faiseurs de disciples, vous allez les voir et dire, je suis l'une des personnes qui s'est levée, m'a dit à l'enseignement, je veux juste partager avec toi pourquoi je m'étais levé. Partage avec quelqu'un. Il y a la puissance dans la transparence. Si tu gardes ça seul, tu vas rentrer dans la chose. Partage avec quelqu'un, ton pasteur, ton faiseur de disciples, ton autorité spirituelle, que je me suis levé parce qu'il y avait tel problème et tel problème. Sois transparent et que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Et nous allons prier pour les gens qui ont l'habitude de s'absenter des réunions, de l'assemblée des frères. Est-ce qu'il y en a ici? Est-ce qu'il y en a en Côte d'Ivoire qui ne viennent pas dans les assemblées? Les gens qui donnent toutes sortes d'excuses pour ne pas être avec les frères, pour ne pas être en communion avec les autres. Ça peut même être le fait que, bon, on a parlé tout à l'heure là de 2000 jeunes de 40 jours. Peut-être on parlerait même de 40 000 des autres, hein, de 1 à, on ne sait pas. Mais il faut que tu prennes ta place dans l'église et que tu apportes ta contribution. Notre succès dépend de l'activité, de l'action de chacun de nous. Si je ne fais pas mon travail, nous allons échouer. Donc, il faut que chacun de nous fasse ce que Dieu attend de lui pour que nous réussissions. Donc, prions pour ceux qui ont l'habitude d'être passifs, d'être indifférent, de s'absenter de la réunion et des réunions dans des assemblées de maisons. S'il y a des gens comme ça,
Ils sont en train de travailler avec le diable. Ils sont en train de chercher notre échec. Ils sont en train de collaborer avec le diable, avec l'ennemi. Prions tous ensemble que le Seigneur amène tous ces enfants qui appartiennent au corps et que chacun prenne sa place dans l'assemblée et joue le rôle que Dieu veut qu'il joue. Prions ensemble. Enfin, pour ceux qui sont rentrés dans le monde, nous avons vu que Dieu ajoute à son corps les gens qu'il a transférés du monde, qu'il a sauvés, il les a appelés du monde, il les a séparés du monde pour ajouter à son royaume. Quand tu abandonnes pour aller pour rentrer dans le monde, dans la régression, ce n'est pas quelque chose qui plaît à Dieu. Et le diable a des tactiques, il a des techniques pour faire en sorte que les gens abandonnent le Seigneur. Parce que quand il te promet des choses, il ne te dit pas là où ça va t'amener. Quand le diable t'offre les choses du monde, quand il a offert le fruit à Ève, il lui a juste dit que ça va t'apporter l'intelligence, ça va t'apporter la connaissance. Il n'a pas dit que tu vas mourir. Le diable ne dit jamais ça. Le diable ne dit jamais que cette voie-ci que tu empruntes, ça va t'amener dans la perdition. Il ne dit jamais ça. Même s'il t'offre des bonnes choses du monde, les amitiés du monde, la façon de faire du monde, il ne va pas dire là où ça va t'amener. Et on reconnaît le menteur dans ce sens-là. Il ne va pas te dire ta fin. Mais Dieu qui nous aime, il nous dit là où chaque acte posé va nous amener. Il nous dit que ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Si tu as semé à la chair, tu vas récolter aussi la corruption. Si tu sèmes dans l'esprit, tu vas récolter la vie éternelle. Si tu vis dans le péché, tu iras en enfer. Dieu est vrai. Et Dieu te dit ce qui est vrai. Pour que quand ça arrive, qu'il n'y ait pas de débat à ce niveau-là. C'est clair que c'est la voie que tu avais choisie qui t'a amené là où tu te trouves. Mais le diable cache cela. Et il te montre le succès. Il te montre la joie, l'approbation, l'appréciation que tu auras devant les gens du monde, sans te dire que ça va t'amener à ta ruine. Donc l'orgueil et le fait de ne pas jouir et être en communion avec les frères fait en sorte que le diable s'accapare de certains d'entre nous pour les ramener dans le monde. Parce que nous avons vu que quand tu es sauvé, le diable, le royaume de Dieu perd une personne. Et le diable n'est pas content. Il y a une sagesse à cause de l'indépendance que la Bible appelle la sagesse des démons. Si tu lis dans Jacques chapitre 4, tu vas trouver qu'il y a une sagesse qui est appelée la sagesse des démons. Parce que c'est le genre de sagesse qui ne vient pas d'en haut, qui ne vient pas de Dieu.
Les démons mettent des idées dans ton cœur. Et ils te disent que tu vas réussir. Ça va marcher. Et tu cèdes à cela. Et on te perd. Donc, si les gens rentrent au monde, ça veut dire qu'ils ont été indépendants. Ils n'ont pas eu l'esprit du corps. Ils se sont fiés à une relation légale, mais ils n'ont pas coopéré avec Dieu pour développer des relations, l'amour fraternel avec les autres dans l'Église. Ils sont restés indépendants. Ils n'ont pas partagé leur vie avec les autres. Ils n'ont pas été transparents. Ils ont caché certaines choses les concernant. Et le diable a profité de cela pour les séparer de la foule, de l'Église. Quand un lion ou bien un tigre veut prendre, veut s'attaquer à sa victime. Les lions s'attaquent souvent à quoi? Les gazelles. C'est la personne qui a déjà vu dans Natural Geo, la façon dont ça se passe, c'est que le lion essaye de frayer, et puis quelque part, il y a une victime qui va s'écarter du reste. Et c'est celle-là qui sera dévorée. Quand le diable menace, il fait des menaces, il fait des promesses, il te tente, il te donne des idées pour que tu te sépares de la façon de penser des autres frères, tu es en danger. Et souvent, c'est des gens qui rentrent dans le monde. Donc, prions pour nos frères qui ont rétrogradé. Prions que le Seigneur les amène. Et quand ils reviendront, montrez-leur l'amour de Dieu. Et pratiquons ce que nous venons d'apprendre à propos du corps de Christ. C'est des gens importants. Dans le corps, nous dépendons des uns des autres, nous prenons soin des uns des autres et nous souffrons avec les uns les autres. Prions ensemble pour la restauration des rétrogrades. Prions. Seigneur, nous te supplions. Restaure nos frères, oh Dieu. Seigneur, qui ont été trompés par le diable. Seigneur, et qui sont rentrés dans le monde. Ramène-les à toi. Ramène-les à toi. Nous te supplions. Ramène-les à toi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.